Eh bien, salut à tous les amis, c'est Warchat, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 7 de la campagne de Modern Warfare. Magnifique, Nikolai. C'était la capitale avant Moscou. Le bon vieux temps. J'envoie deux à la porte. D'autres soldats à l'intérieur. Véhicule en approche. Surveillez-les. La chance. C'est dur de se garer ici. Ah bah là, avec ce qui se trame, c'est sûr que ça va pas être compliqué de se garer quelque part maintenant. Hein. C'est le boucher en jaune. Le fumier de l'ambassade. Pas de gaz. Toi, ni d'adir. Surveille la ruelle. Je peux la voir. Ça me tente. Non, attends un peu. Le boucher nous mènera à Adir. Ou ils libéreront le gaz. Si jamais ça se produit, on est tous foutus. On s'équipe. En vitesse. Le temps presse. Par ici. On a combien de temps ? Une heure maximum. Juste. T'as le matériel ? Baisser un petit peu le son du jeu dans le casque. Et on est parti. Alors. Munitions, mais pas de flash. Ok, donc là, chargeur capacité. Ah bah écoutez, on va prendre le noir. Point de creuse calibre 40. 150 grains. Réflexe silencieux, très bien. Non, je vais prendre ça, c'est très bien. Mais caché là. On se voit à l'entrepôt. Ok. Alors, bon, juste faire une petite chose avant. Apporte le paquet. Je m'en occupe. Parce que je viens de voir que la manette a plus de batterie. Alors du coup, on va vite fait. Hop. Ok. Allez, on est reparti. Alors. Je sais que vous attendez une autre chance d'attraper le boucher. Aucune tombe n'est assez profonde pour cette pourriture, capitaine. Vous aurez ce que vous voulez, mais pour le moment, on a besoin de lui vivant. Привет. Привет. Доброе утро. Pas mal. C'est tout ce que je sais dire. En tout cas, il y a rien à dire, comme je disais sur les épisodes précédents. On va se débarrasser des détails du jeu et tout sont vraiment bien faits. Ils ont vraiment géré le truc, quoi. Comme quoi, la PS4 n'est pas encore terminée. Hein. Il reste encore quelques petites années avant de tomber. Attendez mon signal pour tirer. La vraie fin de la PS4. Hein. Ça fait un petit peu comme la PS3, quoi. Du calme, on a des permis. Montrez-lui le calme. Maintenant. Nikolai, on a des ordures dans la ruelle. Je dépasse en fait. J'ai des sacs. Tu penses toujours à tout. Très bien. Attention, vous tirez. Le boucher nous conduira à Adir. Il doit rester en vie jusque-là. Attends, ils sont pas censés savoir qu'on est là puisqu'on avait des silencieux. Après, j'ai vu qu'il y avait une caméra donc. Des représailles. Aujourd'hui, c'est à leur tour de connaître la souffrance. Remercions tout particulièrement notre nouveau soldat. Leur nouveau soldat. Dont Adir. La volonté de faire est notre. Le voilà. Affirmatif. En jaune derrière la table. Si le loup est vivant, il sera fier de vous. Autrement, à vous de jouer, Garrick, ne tirez pas sur le boucher. À ces chiens. Abattez les cales. Le boucher est en vue. Tuez-les. Ok. C'est dégagé. Ennemi abattu. Empêchez-les de me suivre. Tuez-les. La porte. Je vous couvre. Ok, il y en a un là-dedans. Allez, on remballe. Ne laissez pas s'échapper. Attrapez-le. Je l'ai eu. La porte qui donne sur la rue est ouverte. Les civils, attention, vous tirez. Putain de merde. La cible se dirige vers le nord. Tiens-toi prêt. Je suis bien. Ok. Ok, on va essayer d'éviter de se taper une mort tout de suite, hein. Parce que des morts, on en fait souvent et... Restez sur lui, je vais faire le tour pour l'intercepter. On en fait d'ailleurs un petit peu trop des morts. Ils vont mourir à cause de toi. Oh. Ok, là, je suis rien, capitaine. La cible est en mouvement, du côté de la rivière. Le boucher est sur le pont, sergent. Très bien. Contact, véhicule côté gauche. Merde, ils ont un lance-roquettes. Attaquez-le. Quête abattue. Ok. Yeah.
chier, c'est de décramper, rattrapez-le. Accélère. Très bien, ça c'est fait. Là, derrière la barrière. Hop, ferme là. Il a coupé par le café, sur la rive sud. T'es où? J'arrive, capitaine. Attention, voilà des renforts. D'où est-ce qu'ils sortent, là? Wow. Un molotov, attention. Il va nous semer. Trouvez un passage. Attends, trouver un passage, c'est pas simple de trouver du passage aussi. Allez, pour ta vie. Félix, Eric, on doit pas le perdre. Il se dirige vers la rivière. N'approchez pas. Yes. Nicolas, il a réussi à venir. C'est dur de courir avec une commotion, hein. Non, c'est juste une partie dure. Faites-toi rester dans la camionnette. Alors toi, mon pote, tu vas prendre cher. Ferme ta gueule. Que mes hommes puissent envoyer. Ce que tu vas te prendre, c'est une balle dans le cul, là, et tu vas fermer une pourriture. Ok, je pense que s'il y a ça, c'est pas pour rien. Et je pense que s'il y a RPG, c'est pas pour rien non plus. Léger problème. Quoi? Le moteur est un peu. Ok, là. Nous, Kyle, allumez-les. Enfin, elle méritait votre pote, hein. C'est moi qui vous le dis, les gars. Oh, vous avez laissé la police tranquille, par contre. C'est parti. Ok. Bon, on a fait qu'une seule mort. C'est pas trop mal. On a réussi à se sentir un petit peu comme il faut, on va dire. Donc, les armes chimiques. Ça, c'est plutôt cool. Dans ton putain de cul, connard. C'est pas comme ça que tu vas me faire parler, ordure. Allez, capitaine. Tu peux faire mieux que ça. Tu crois que j'ai oublié ton visage, SAS? Hein? Et toi, sergent? Hé, hey, reprends les salopards! On doit faire parler ce fumier, capitaine. Ça va venir. Nicolas, où est le paquet? Je me gare, capitaine. Allez trouver Nicolas. Récupérez le paquet et apportez-le-moi. Compris? Ok, on va récupérer les petits paquets qui nous ont parlé. Sergent Garrick, le paquet est à l'arrière. Oula, qu'est-ce qui vous arrive? Une monnaie d'échange. Ça vaut rien! Pour les négociations. De quoi peut-être convaincre le boucher? Maman! Ah, je pense que c'est la femme et son fils alors. Chut, tout va bien. Pitié! Faites pas de mal à mon fils! Ferme-la, tu viens juste et puis tu fermes ta bouche, c'est tout. Tu es un grand garçon courageux. Ouais, c'est un grand garçon courageux. Je te fous une balle dans la tête et tu vas voir si tu vas être toujours courageux. Où est-ce qu'on va, maman? On va voir ton père, on va le tuer. Et après, on rentrera à la maison. Eh oui, t'inquiète pas. Tu vas rentrer. Ce que vous faites est impardonnable. Eh, ferme-la. Nous sommes innocents. J'exige de savoir ce qu'on fait ici. Kyle, vous n'êtes pas obligé. Je compte sur vous. Ouais, je suis prêt. Bien sûr, chef. Bien sûr. Bien. Laissez-les à l'intérieur. Non! Non, 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 pitié! Où ça? Amon? Papa! Eh ouais, mon pote! Qu'est-ce que t'as cru? Ferme ta gueule! Ferme-la, c'est tout! Vous n'aimiez pas les règles? Voilà. Les règles ont changé, mon gars! Qu'est-ce que t'as fait? Ton fils est là, ton enfant! Oh, il peut très bien frapper un enfant, pas vrai, sergent? Ouais. La ferme! Quoi, la ferme? Moi, j'ai tout un coup de la gueule, tu vois. T'avais promis de pas nous mêler à tout ça! Capitaine, je dois sortir. Disposé. Yegor, allez, vas-y. Prenez l'arme, sergent. Qu'est-ce que vous allez faire de nous? On va foutre une balle dans la tête et puis c'est tout. Voilà, si ton mec il parle pas, on va. Stop! Ils savent bien ce qui se passe, ok? Stop! Putain, j'aimerais tirer vite fait. Vous avez tiré, sergent, pas moi.
Mais je te rassure, je laisserai pas le sergent brandir une arme chargée à l'intérieur, sauf s'il n'a pas le choix. Alors, dernière chance, où est le gaz? Putain. Voilà. Parle plus vite que ça, parce que sinon, ça va mal terminer, non, mon je gars. Pas, je le jure, je mens pas. Le gaz est là-haut, derrière Karatka, il faut me croire. Où est Adir? Le nouveau? Il est trop tard pour l'arrêter. Va, sergent. Va sauver ces putains de Russes. Le général Barkov sera déjà mort. Adir, il va tuer Barkov. J'en sais assez, reprenez-vous et on s'en va. La Russie fera la guerre à l'Occident. Le gaz est au théâtre Kirov. Ah, j'ai envie de le tuer. Trouve-le et préviens-moi, t'as l'habitude. Compris. Prends la voiture, comme ça tu pourras quitter la ville. Ah, j'avais tellement envie de lui foutre une balle dans la tête à lui, là. Il va le tuer. Et déclencher une guerre. En plus, c'est une sale gueule, non, alors... Si on arrive à temps. Ok, bon. Ça, c'est fait. On a eu des informations, j'espère qu'elles seront... vraies. Parce que si elles sont pas vraies, bah, c'est un petit peu compliqué. Donc, on va voir ça tout de suite. Вижу химикаты. Внимание всем. Заложники безопасности. Химикаты целы. Мясник здесь. Принято. Расчеты химзащиты уже в пути. Город может спасти. Ah non, la ville est loin d'être sauvée, les petits gars, je peux vous le dire. Vous inquiétez pas, c'est que le début. Hey. Y a un contrôle. Porno. Qu'est-ce que ça change? C'est barré. On fait quoi? On fonce dans le tas. Et s'il bouge pas? Alors ce sera un sacré merdier. Trois secondes. Y a le temps. Putain de merde, capitaine. Nicolas, il nous a sauvés. Et s'ils nous suivent? Improbable. Chef, qu'est-ce qu'on fout là? On fait du nettoyage. Avec des femmes et des enfants? On n'avait pas le choix. C'était des otages. Quand on retire les gants, on a du sang sur les mains, Kyle. Ça marche comme ça. Alors elle est où la limite, chef? La limite est où on veut qu'elle soit, sergent. Au final, il faut bien que les ennemis aient peur de quelque chose. On se salit, et le monde reste propre. C'est ça, la mission. Maintenant, si ça vous dérange, je peux très bien me débrouiller seul. Non, chef. Ça me dérange pas. Bien. Trouvons à dire avant qu'il tue Barkov. Ok, bon. Silence Radio, 1er novembre 2019, 23h. Alors là, on est dans une sorte de forêt, j'ai l'impression. Oui, d'Alcatala. Adir n'est pas seul. Cherche toujours. Alors c'est pas trop tard. Trouvons okay. Adir. Alors là, il va y avoir des petites divisions nocturnes, ça va être cool ça. Est-ce qu'on peut les mettre? Suivez-moi. Est-ce qu'on peut les mettre en plus? Ça, c'est cool. C'est calme. C'est qu'Adir a déjà pris le contrôle. Barkov est peut-être pas là. Dites-vous que si. Et sinon, il viendra. Ça doit grouiller de soldats d'Alcatala. L'obscurité sera... Je dois voir un petit peu comment ça donne. Ah ouais. Alors restez cachés et n'attaquez qu'en cas de nécessité. Ah franchement, c'est vraiment beau. Hein. Les jeux de lumière et tout, comme ça avec la lune, franchement, ça rend vraiment bien. Ok, on va mettre les lunettes là maintenant parce que je pense que... Tirez sur l'éclairage, l'obscurité nous servira de couverture. On va en avoir besoin. En avant. Ennemi en vue, ne tirez pas. Ah bah me pousse pas non plus, espèce de con. Ils sont trop nombreux, restez cachés. Restez dans l'obscurité. Ok, je vais juste voir si... Avancez, restez discret. Ok, on va essayer de discret jusqu'au bout, hein. Kyle par ici. Restez dans
sur le mur. Notre sortie est bloquée. Éteignez la lumière, ça devrait les distraire. Attendez qu'ils partent. Ok. Oula, c'est quoi ça, c'est une école, non? On voit le complexe, regardez. Quelles infos, chef? Tout a l'air calme. On a du monde dans le clocher, l'église, la piscine. Descendez. Okay. Je vais monter la garde. Ah ok, c'est moi qui descends. Super. Alors attends, hop, on va prendre ça. Alors, est-ce qu'il y a du monde ? Je sais pas de quoi vous parlez ! Voilà, ça c'est bon. Alors, je crois qu'il y a du monde qui sont drogués ou... Attention, ils sont beaucoup plus nombreux. Vous feriez mieux de filer si ça chauffe. Ok, c'est ce qu'on fera. Alors je sais pas où est ta piscine mais ah oui, fouiller la piscine, ok. Écoutez, on va fouiller la piscine hein. Franchement j'aime beaucoup les missions d'infiltration un petit peu style vraiment style à la moderne quoi en fait hein. J'ai éteint la lumière. Ok, alors lui il va me couvrir de là-haut pour éteindre la lumière et me laisser dans l'obscurité. Cherchez une boîte à fusibles. On aura l'avantage si on éteint la lumière. On dirait qu'ils tiennent quelqu'un. Vérifiez si Adir est là. Il a peut-être capturé Barkov. Ok. Adir est peut-être vers la piscine. Allez voir. Hassan Nakon! Moti Hayawan! Aucune trace d'Adir. Mais ils ont un prisonnier. Voyez, ces prisonniers, c'est quelque chose qui pourrait nous mener à Barkov. Ok, parle-moi, toi. Vous avez mis le feu aux poudres, Kyle. Ils sont à vos trousses. Il est dans un sale état. Il y a toujours de l'activité à l'église et au clocher. Allez voir si Adir est là. Ok. Attention, il y a un véhicule technique. Alors, fouille les clochers. Restez à l'écart. On va aller fouiller les clochers, du coup. Attends, il y a une arme silencieuse, là. AK-47 silencieux. Bah voilà. Voilà, comme ça, eux, ils font pas chier. C'est plutôt calme près du bâtiment principal. Vous devriez pouvoir passer inaperçu. Ouais, je l'ai pas vu arriver là derrière. Ok. 34 mètres. Derrière vous. Ok.
rendez-vous au clocher. Essayez de trouver Adir. Véhicule technique ennemi, derrière vous. Ok. Ils envoient des renforts. 5 ennemis de l'espace. Ah putain, dommage. Je pensais qu'il allait me couvrir vraiment jusqu'au bout, mais en fait il n'était pas à toutes les lumières en fait. Donc du coup il y a des moments bah je peux être pris de court comme... Ça vous aidera à rester caché. Ah ouais, c'est... t'aurais dû le faire avant ça tu vois. ADNTA. J'ai encore quelques côtes à te casser. Où est le laboratoire? Où il est? Où est-ce qu'il est? Faut pas à dire. C'est un autre prisonnier. Vérifiez s'il peut toujours parler. Pourquoi vous? Qu'est-ce que... Je ne trahirai pas ma famille. Il délire complètement. Okay. Les hommes de Barkov ont envahi le foyer d'Adir. Alors maintenant, ils sont en rouleur. Dépêchez-vous d'aller à l'église. S'ils ont un prisonnier, il fera pas long feu. Ok, 85 mètres. Ferme-la. Mais si, je pars. Véhicule technique ennemi, ne l'attaquez pas. Je suis vraiment dans le jour à mort en fait. Ennemi sur votre droite. En fait, plus je vais là-bas, plus je m'éloigne, donc... Ok. Voilà, comme ça, au moins, on a contourné carrément le... la voiture. Ok, bon, ça, c'est bon. Vous n'êtes pas loin de l'église. De toute façon, c'était sûr que ce serait le dernier objectif, en fait, hein, parce que... J'ai fait les deux plus courts, mais... D'autres patrouilles se dirigent vers vous depuis le bâtiment principal. Tenez-vous, les ennemis auront plus de mal à vous repérer. T'as lu les lumières là. Je pense qu'il faut qu'on passe par là. Je vous vois plus. Vous êtes seul pour le moment. Ah
Ok, putain, fils à vous, monsieur, ça va être cool ça. Casting Dadir. Demandez à l'otage s'il a vendu Barkov. Ils envoient des renforts. Deuxième étage, 4-5-1. Ils l'ont fait craquer. 4-5-1. Il n'arrête pas de répéter deuxième étage, 4-5-1. C'est notre seule piste. Rendez-vous au dernier étage du bâtiment principal. Je m'en trouverai là-bas. Ok. Attends les lumières. Attends, ah mais en fait je suis trop bête, j'aurais dû passer par là direct. Ok, je peux pas passer par là. Très bien. On se regroupe au bâtiment principal. On va recharger tout ça. Ça va, ils m'ont pas repéré. Vous en priez, je ne veux pas mourir ici. Pitié, ils vont tuer. Bah. Putain, je me disais c'était vraiment un arbre qui me bloquait la balle. On se croirait dans un stade un soir de match. Foncez au deuxième étage. Je m'en occupe. Oh, c'est en train de m'arracher les yeux, ça. C'est bon, je suis dedans. Montez au deuxième étage, plus vite que ça. Ok. Tranquillement. Je monte au deuxième étage. Regardez avant de tirer, je suis en haut. Ok, on est enfin arrivé. Alors, essayer d'ouvrir la porte, c'est quand même un. 4-5-1. Prenez les vivants. Allez-y. Espèce d'abruti. Où est Barkov? Il est pas ici. Sa famille était là. Est-ce que tu essaies de le protéger? Non, tu nous suis. Allez. Attends, je suis pas ton ennemi. Je sais où il fabrique le gaz, j'ai les coordonnées. C'est l'usine chimique de Barkov? Oui, et je compte la détruire. On est toujours dans le même camp, capitaine. Pas de cette façon. Alors aide-nous. Aide-nous, je t'en prie, aide ma sœur. Écoute. À terre. Les hommes de Barkov. Prenez une issue. Par les tunnels, au nord. T'es mon prisonnier, à dire pas de conneries. La porte est coincée. Kyle, la porte est bloquée. Continuez d'avancer. Merde, je pensais que c'était les hommes qui étaient juste en face, mais pas du tout. T'aurais pas dû faire ça, Adir. Barkov va vouloir se venger. Wow. Ok, très bien, on a pris notre part. Hein.
braque ton arme sur les Russes et tout ira bien. Aide, Garrick. Vous avez votre compte, sergent. Debout, on fout le camp. Sergent, votre arme. Tu vas aller où toi? Ils sont en train de bouger! Hey, merde! Allez! Oh, je peux bien? Premier étage! Maintenant, on se bouge! Attention au projecteur. Ok. Besoin de couverture. Le tunnel est au nord. Continuez. Au sud. Attends, l'hélicoptère est sur nous là. Entrez, restez pas dehors. Rez-de-chaussée. Ok, on passe par là. Maintenant, on bouge. Les ennemis à l'ouvert. On doit se bloquer. Entrez. On ouvre le feu. Au rez-de-chaussée. Ok, ça c'est fait. Voilà votre cible. Couvrez-moi. Continuez vers le nord. On va atteindre le tunnel. Et cible en haut. Il faut des tirs de couverture. Rez-de-chaussée. Très vite, l'hélico va nous mettre en pièce. Je vais vous couvrir. Attends, tu vas aller où, frère? Alors attends. Cible à 30 mètres. Là, on y va. Par les bâtiments, vous faites pas voir par l'hélico. Ok. On va sauter. Et cible au sud. Ok, alors là, ça va pas être simple. Des cibles au sud. Par les bâtiments, go! Il me faut des tirs de couverture! Sauter dessus! Allez, rentre là! Escalier! Allez! Fini? Couvrez-moi. Ok, ça c'est fait. Écrouler, je pense. Ressaisissez-vous. Je sais ce que je dois faire, chef. Là, attaquer le labo, hein. Jamais de la vie. Vous allez payer pour ça. Capitaine! C'est un aller sans retour à dire, tu le savais. Mais vous allez m'aider, vous ferez le nécessaire, hein. Chef. Dites-moi qu'on va en finir. On a besoin de soutien, pourvu qu'on en ait. Avance!
donne les plans à Farah, dis-lui la vérité. Vous pourrez la dire vous-même au monde entier. J'en ai rien à foutre du monde. Je l'ai fait que pour ma sœur. Pivot à 06. Transport allié en approche par le sud à 180. Identification Watcher 1. Reçu. C'est Laswell. Qu'est-ce qu'elle fait là? Ça sent pas bon. Prenez les plans, gardez-les sur vous. Oui, chef. C'est quoi ce merdier? C'est terminé. On va le livrer. À qui? Aux Russes. En échange de? Rien du tout. Il se passe quoi, chef? Bougez pas. Ne faites pas de scène, capitaine. Donnez-moi une bonne raison. Ça nous dépasse, John. C'est une guerre par procuration. Parlez pour vous. Allez, amenez-le. Oui, chef. Adir est à vous, les plans à moi. Quoi que vous ayez en tête, je peux vous aider. Je vous tiendrai au courant. Je vous couvre, capitaine. Farah ! Faut qu'on parle. Je connais la chanson, capitaine. Pas cette fois. Ils ont donné à dire aux Russes. Ils vont le tuer. S'il a de la chance. Une fois de plus, le monde libre est sauvé, capitaine Price. Adir a localisé le labo de Barkov. Il est en Géorgie. L'usine de gaz? Il avait l'intention de la détruire. Adir est complètement dingue. On est tous un peu dingues, je pense. Vous croyez pas, Alex? Affirmatif, chef. Avec ton aide, on peut finir ce qu'il a commencé. Tu es un bon ami, capitaine. Et un redoutable ennemi, j'en suis sûr. Mais je ne franchis pas les frontières, je n'envahis personne, je défends mon peuple, ici, chez nous. Mais parfois, la meilleure défense... Tout est là. Les plans... Le personnel. Je vois. Une milice en lien avec l'Occident peut accomplir cette mission. Et ils blâmeraient les terroristes, n'est-ce pas? Heureusement que t'es là. Si Barkov est là, il est à moi. C'est une mission secrète pour détruire le labo de Barkov. Nikolai est à l'intérieur. Il fournira les explosifs. Deux équipes vont s'infiltrer. Garrick et moi poserons les charges sur le tuyau. Farah et Alex, Nikolai vous donnera un détonateur pour détruire la fournaise principale. Une fois les charges en place, éloignez-vous bien. Et faites tout sauter. Laswell fournit le soutien aérien. Le reste dépend de nous. Troupe à découvert côté nord du pont. Demande de frappe. Compris, Watcher. Et ça les amis, du coup on verra ça au prochain épisode pour le numéro 8. En tout cas j'espère que ça vous aura plu cet épisode, il y a eu beaucoup d'action. Bref, en tout cas, c'était quand même une sacrée mission. J'espère que les vidéos vous aura plu les amis. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser le petit j'aime et le petit commentaire qui fait plaisir. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la fois prochaine pour l'épisode numéro 8. Salut à tous.